YouTube, vous entendez cette douce musique? Alors là... Merde, il est en train de lancer une démo, l'enculé. Donc là, on va jouer à Bugs Bunny et Taz, la spirale du temps. Et là, vous vous dites, mais ce mec est devenu complètement taré, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit, sur PC, je crois. Donc là, on va jouer à la version PlayStation. C'est un jeu qui est juste génial. Enfin, moi, dans ma tête, c'est génial. Après, j'y ai rejoué tout à l'heure. Et honnêtement, j'y ai rejoué tout à l'heure et je me suis dit, waouh, c'est dégueulasse. Mais dans ma tête, c'était tellement beau. Et voilà, j'ai envie de vous faire découvrir ce jeu qui a marqué mon enfance, qui est vraiment... Enfin, marqué mon enfance. J'ai quand même joué pas mal. Mais voilà, j'ai envie de le redécouvrir avec vous parce que je m'en souviens pas vraiment. Mais j'ai plein de souvenirs dans la tête. Bref, je vous laisse découvrir cette masterpiece. Voilà. C'est parti. Alors, vous pouvez jouer à deux. Et franchement, c'est un des meilleurs jeux à faire à deux. Quoi de neuf, docteur ? Quoi de neuf, docteur ? J'espère que vous entendez bien. Mais je pense que vous entendez bien. Donc, taisez-vous. Écoutez l'histoire, elle est importante, d'accord ? Moi, je me tais. Je dois plus avoir d'heures de jeu sur 5 sur LOL. Ouais, mais moi c'est pareil. Je suis en train de me poser la question aussi. Appréciez les graphismes et les dialogues. Autour de mémé. Des parasites ont envahi sa maison. Vous me dites s'il faut que j'augmente le son. Jour, madame. D'un fidinc. Un canard vaut mieux qu'une tapette. Je crois que vous avez demandé nos services de dératisation première classe super extra. Les mouchoirs ne sont pas compris. Oh, entrez, entrez, je vous en prie. Ça fait un moment que ce monstre m'embête. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Je dois m'en débarrasser avant qu'il n'arrive malheur. Alors, ma petite dame, si vous voulez bien me montrer où se trouve le terrible nuisible, je lui réglerai son compte en un clin d'œil. Oh, ce petit monstre est diabolique. Et avec toutes les machines que je conserve, je dois être très prudent. Mamie! Voyons, la dernière fois que j'ai vu cette petite canaille, c'était par ici. La dame, je connais les dialogues par cœur. Non, 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 elle est là. Cette horrible créature est ici. Vite. Quoi, je me rappelle encore tellement des dialogues. Oh, débarrassez-moi de cette affreuse bête avant qu'elle ne s'attaque à mes petits chéris. Pas de problème, dame. Ta fille est là. C'est bien ça qui m'inquiète. Plus un veste, petite. Se tient. Pincez-moi vos rêves, ou alors je suis riff. Très riff. Quoi encore? On essaie déjà de me voler mon trésor. Team Medi-Nuit versus Team Viking. Ouais. Bah oui, le foot. Tu pouvais jouer au foot et tout. Je sais plus si c'était du foot exactement, mais... Aïe. Des gens qui essaient de dormir ici, vous savez. Oh, excusez-moi. Quoi de neuf, docteur? Eh oh, vous pourriez me dire, pardon, monsieur, auriez-vous l'amabilité de... Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'être invisible? Excusez-moi, docteur, vous savez ce que c'est? Hey, arrêtez! Attendez, stop! Je ne peux pas résister. Il faut que je sache où tout le monde court si vite. Tiens, bonjour. Quel amour de petit lapin. Je suis sûre qu'il va vouloir m'aider. Eh bien... J'en étais sûre. Non. Viens avec moi. Ma petite dame, je voudrais bien vous aider, mais... Oh, c'est si gentil de m'aider. Tu es un adorable petit lapin. Avec le cœur sur la main. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Voilà, j'ai fait l'erreur donc. Titi, hé, hey, venez par ici. Ah oui. Un idiot, un abruti, un incapable, ce Daffy. Hé, hey, venez par ici. Tu connais? Bon, en tout cas, il a cassé le régulateur temporel et bouleversé les époques. Ah, le fils de pute. Pendant l'explosion, il a été projeté dans une autre dimension avec la pierre temporelle. Mais pourquoi t'es dans ton garage, toi? Le régulateur temporel, il faut trouver ce canard et la lui. C'est une putain de mamie qui fait des gâteaux, elle a un putain de truc vortex temporel dans son garage. Il a sauvé les indispensables rouages du régulateur. Dans l'accident, ils ont été éparpillés à travers les époques. Plus nous en retrouverons, plus le régulateur sera stable. Tu as tout compris? Comment ça?
Il faut récupérer des rouages, d'accord? Excuse-moi, j'ai dit nous. Oh, je suis distraite. Je préfère. Oh non, non. Moi, je dois rester. Malheureusement, je dois tenter de stabiliser le régulateur temporel en vous attendant. Mais ne t'inquiète pas, mon diable de Tasmanie domestique t'accompagnera. Oui. Je crois que j'aimerais mieux y aller seul. Oh, le petit Tazi va manquer à sa mémé. Beaucoup. C'est The Mami. Ouais. Oui. Non, non, non. On ne mange pas le lapin. C'est ça, touche pas au lapin. On ne mange pas le lapin. Ça sent le caca. T'as fermé la porte des toilettes, Marjo? Bienvenue à Greenwich. Donc là, en fait, il va falloir faire une série d'épreuves pour ramener les rouages. Donc il faut ramener 10 rouages. C'est indispensable. Mon premier objectif est très simple. Ramasse 10 rouages éparpillés dans cette zone. Voilà, il faut que je ramasse 10 rouages éparpillés dans la zone. Donc du coup, j'ai le choix entre soit contrôler Bugs Bunny, soit contrôler Taz. Voyez. Et quand vous jouez à deux, bah vous pouvez jouer l'un et l'autre. Et ça c'est trop bien. Et là vous avez Titi. Hé, hey, venez par ici. Écoutez-le. Ah, dis-le. Dis, venez par ici. Oui. Venez par ici. Par ici, venez par ici. Oh mon dieu. Pour aller sous terre, trouve. Bon, ça je me souviens, donc je vous montre. Alors, là il faut prendre Taz. Faut sauter. Et creuser un trou. Ensuite, on prend Bugs. Et on fait. Et on va sous la terre. Maintenant. Ta gueule! Je fais tout seul! C'est toujours joueur 2, donc je mordais les fesses à ma sœur. C'est bizarre ce que tu racontes. Oh, passe dans le décor. Et vous voyez, on peut faire même ça là, mais ça sert à rien. Mais c'est rigolo, parce que du coup, il se prend un mur. Bon, bref, on va chercher le truc. Premier rouage. Là, je speedrun, hein, parce que je connais. Voilà. On a le premier rouage, il en faut 10. Je sais plus où sont les autres par contre. Ah! À toi, Bugs Bunny. Ta capacité d'oreille hélico pour te poser sur les surfaces fragiles. Ok. Faut se poser sur un physical. Allez! Fais attention, chien. Ok. Alors, haut enfoncé. Merde! J'ai tout cassé, mamie! Ah oui, c'est vrai. Attention au chien. Spam room. Non, pas là, attends. Ah, je me suis TP. Ok, deux rouages les gens. Spam room. Attends, je... Ah oui. Attends, c'est quoi un rond? Parce que moi j'ai une manette de Xbox alors. Ah, mais c'est ça. Et alors? Ça fait quoi? Ah ouais, ça permet de te déplacer silencieusement tout en allant vite, c'est ça? Avec Taz, ah. Oui, bah. Ah, mais pour faire ça? Je comprends pas ce que tu veux me faire faire en fait. Bref, Joseph. Je crois qu'il y a que Taz qui peut pousser les caisses, non? Non, j'ai pas encore la grimace. Ah oui, c'est vrai que c'est ça, je crois. Il tire la langue. Je sais plus ce qu'il faut que je fasse. Par ici, venez par ici. Par ici.
Taz doit d'abord pousser ses grosses caisses et soulever grosses caisses les petites afin de les empiler. Prêt au travail. Ok. J'ai tout compris, mamie. Saute plus haut, Bugs. Ah merde! Je vais mettre là en fait. Merde. Yes, je l'ai eu! Très très bien! Mémé! Il est où Michael Jordan? Ah, bonne question, tiens. Par ici! Venez par ici! En fait, ça va, il est pas si moche ce jeu. Ça va. Là, il faut que je tape ça. Au cours de tes aventures, tu vas trouver des objets comme une durée limitée. Par exemple, souvent seul Bugs Bunny peut les utiliser. Ah, il y a que Bugs qui peut les utiliser, évidemment. Il doit se dépêcher. En effet, l'objet disparaît au bout d'un certain temps. Disparaît au bout d'un certain temps. Ah oui, parce que si tu prends les objets avec Taz, il les mange, c'est ça? J'ai oublié ça. Il date de quelle année? Je sais pas, faut aller voir. Allez voir sur sur un site complètement inconnu comme jeudio.com par exemple. Je sais plus ce qu'il faut faire là. Normalement c'est censé. Ah non, faut que je retape là-dessus. Ouais, voilà. À toi, Bugs Bunny. Tu dois maintenant t'entraîner à lancer. Oh ouais, ouais, je suis un pro. Oh merde. Easy. On est à combien là? 4. Merveilleux. 1998 ou 2000? Bah 2000 alors. Il a 17 putains d'ans! Ceci est seulement pour Bugs. Le mot, franchement, il n'y a que le truc pour Bugs, quoi. Primitif. Il n'y a que pour Bugs Bunny, les trucs pour l'instant, tu sais. Pauvre. Pauvre petite Taz. Formidable! 2 ans après Spyro et ça rame du cul comme ça. Ça rame pas? Si tu racontes. C'est parce que c'est la version PlayStation 1. Ah, PlayStation 1, c'est du caca. Il fallait jouer sur PC. C'est mon PC qui suit pas, le jeu est trop puissant. Ça, c'est pour Buzz. Ici, Buzz, Bugs, pardon. Suspendre à des rebords. Rappelle-toi que Bugs... Voilà, voilà. Encore une fois, c'est tellement raciste. Juste parce que le diable de Tasmanie, il est tasmanien. Excellent. Excellent. Putain, on a déjà 6 rouages, quoi. Comment on va trop vite pour le jeu, quoi. On dirait les graphismes de The Witcher. Oh, c'est tellement bien fait, l'eau. Je vois pas les galeries dégueulasses, lentes de Bugs. Il l'évite entre chaque pas. Waouh! Bah non, mais ça, là, ça rame pas, je suis désolé, hein. C'est juste qu'il court comme ça, c'est juste que c'est fait comme ça. C'est animé comme ça, c'est tout. C'est juste animé comme ça, là, il rame pas, regarde. Ça, tout va normalement, tout avance normalement. Ah, lui, faut lui niquer sa gueule. Je crois qu'il faut prendre Taz, là. Saute sur la tête du galopin pour le bloquer et donne. Le galopin! Viens là, galopin! Oh, galopin! Tiens! Tiens, galopin! Marjo, elle est salée, j'avoue. Marjo, elle est vénère. Faut que je saute sur la tête, je crois, en fait. Et voilà. Maintenant, je peux le taper. Voilà!
8. Par ici, venez par ici. Ah non, ferme ta gueule, toi. Venez par ici. Salut, Capitaine, merci d'être passé. Bisous. Pour vaincre une grosse brute comme lui, tu dois l'épuiser en le faisant courir jusqu'à ce qu'il... Ok. Il faut Bugs. Tu me choperas pas. Ah oui, alors un truc très important que je vous ai pas montré, vous pouvez taper vos propres personnages. Voilà. Donc quand vous jouez en... avec votre pote, ça finit, c'est toujours comme ça. Vous tapiez entre vous. Vas-y, viens. Il est où? Putain, mais il s'épuise jamais. Ah. Dans ton cul. Marjo a dit, oui désolé, je me calme. En vrai, il est drôle votre jeu. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh non! Il faut que je trouve une caisse de livraison spéciale. Ah! Ah! J'aurais pu m'en penser. Tada! Tada! Ah non, mais ce jeu est génial. Il y a plein de mini-games et tout. C'est trop cool. Hein. Franchement, il y a plein de mini-jeux à faire. C'est vraiment incroyable. Franchement, je me rappelle, il y a plein de mondes différents et tout. Enfin, moi, j'ai vraiment un super bon souvenir. Surtout les mini-jeux de foot et tout. C'était vraiment trop bien. Hein. Moi, à l'époque, j'étais comme un dingue. Je sais plus où sont les derniers trucs là. Là on est à 8 ou 9 je crois. Par ici, venez par ici. Il y a facile une 100 mini-jeux aventure. Je pense même pas l'avoir fini ce jeu en fait quand j'étais petit. Ah bah il y en a un là. On a combien? Ah bah on a 10. On a réussi. Puisque tu as trouvé tous les rouages, occupons-nous de l'époque aztèque. Excellent. Deux ou trois choses avant que ne commence l'aventure. Je dois t'expliquer quelques points essentiels qui t'aideront à comprendre ce qui se passe. Je suis tout oreille, grand-mère. La pierre temporelle est ton objectif principal. Sans elle, le régulateur temporel ne fonctionne pas correctement. Tu dois absolument la récupérer et la rapporter. Tu dois également retrouver les rouages du régulateur temporel. D'accord. Ces caisses Acme sont cachées dans chaque niveau. Casse-les toutes pour trouver un rouage du régulateur. D'accord. Plusieurs personnages de différentes époques ont été accidentellement projetés dans une autre période. Tu dois tous les trouver. Et... D'accord. Un clap représente une vie. Lorsque tu as perdu toutes les vies, la partie s'arrête. On en trouve partout, tout au long du jeu. Pour les ramasser, marche dessus et ils s'ajouteront au compteur de clap. C'est tellement bien, franchement c'est tellement bien expliqué. Si ta barre d'énergie baisse, tu peux la remonter avec des carottes. Quand ta barre est pleine, tu fais des réserves de carottes. Il arrive qu'un nombre minimum de carottes soit nécessaire pour activer des objets ou parvenir dans d'autres époques. Les jetons des chefs servent de clé pour ouvrir les niveaux des chefs. Si tu trouves tous les jetons de l'époque dans laquelle tu es, tu pourras entrer dans le niveau du chef de cette époque. Une chose très importante. Tu peux sauvegarder n'importe quoi. Tu peux sauvegarder. Pause et sélectionne l'option sauvegarder. Sauvegarder. Sauvegarder, mais pas ta position exacte. Tu peux voir ta progression dans le jeu en utilisant l'inventaire. Si tu as encore besoin d'aide, va dans le menu pour... Ouais, c'est bon. Et maintenant, votre extraordinaire aventure peut commencer. Je vous montre le chemin. Donc là, on a ouvert le truc des Mayas. Voilà, donc on peut aller au truc des Mayas, des Aztèques, pardon. Bonne chance. J'aurais besoin de beaucoup de chance avec ce sac à puce. En fait, je vais avoir besoin d'un antipuce. J'aurai besoin de beaucoup de chance avec ce sac à puce. Je vais avoir besoin d'un antipuce. Ouais, alors Bugs. TG. Bon, YouTube, j'espère que vous avez aimé cette introduction à ce jeu incroyable. Je vous fais des gros bisous. Évidemment, nous on va continuer, donc on se retrouve pour un prochain épisode. Quoi, il y aura un prochain épisode? Mais oui, Emily. Oui, il y aura un prochain épisode. Oui. Au revoir, YouTube. On vous aime bien.